Le leader de l'ex-parti PASTEF Ousmane Sonko, malgré un état de santé dégradant, s'attache résolument à sa volonté de participer à la prochaine présidentielle. Sonko, actuellement interné au pavillon spécial de l'hôpital principal, suite à son arrestation, a par le biais d'une requête de ses avocats, demandé à la Commission nationale électorale autonome de lui délivrer ses fiches de parrainage. Face au refus de la Direction générale des élections de lui fournir ses documents, Sonko et ses avocats ont appelé la Sénat à se substituer à la DGE. Dans leur requête, ils ont invité le président de la Sénat, Doudou Ndour, à exercer ses prérogatives en vertu de l'article L3 de la loi portant création de la Sénat, ainsi que des articles 5, 11 et surtout l'article 13 du Code électoral. Les avocats de Sonko demandent que la Sénat ordonne à la DAF son intégration sur le fichier électoral, la confection et la remise de ses fiches de parrainage. Ils invitent également la Sénat à informer le Conseil constitutionnel que le refus de la DGE pourrait porter préjudice à leurs clients. La requête suit une réponse de la DGE à un courrier de la Sénat dans lequel la DGE affirme qu'elle n'a pas compétence pour mener une quelconque action sur le fichier électoral sans préciser. Qui aurait cette compétence, la DGE a indiqué que M. Sonko devait jouir de son statut d'électeur inscrit sur les listes électorales avec tous les droits qui y sont attachés.